Je suis Valérie. I am going to make jambalaya. It's a traditional dish from Louisiana, where I'm from. C'est un plat typiquement américain et spécifiquement la Louisiane du Sud. Oui. Okay. Je vais commencer avec un mélange d'épices. D'accord. Oui. Donc, c'est vraiment, c'est un peu piquant. Un peu épicé. C'est un peu épicé. D'accord. Oui, c'est piquant, c'est la même chose. Ok. Alors, on commence avec du chili. Du chili en poudre. D'accord. Et on met un grand cuir. Ok. Wow. Et aussi, le paprika. Ok. Normalement, on utilise le paprika fumé pour obtenir... Mais on ne l'a pas trouvé. Oui. Ok. Le saveur de fumé. Mais à Bénin... Tu n'as pas trouvé. Oui. Mais vous avez des poissons fumés. Ça, beaucoup de choses. Donc, vous trouvez le saveur... Ok. Dans des choses fumées. Oui, exactement. Et aussi... De l'ail. De l'ail en poudre. Garlic. Ah, donc tu n'utilises plus. D'accord. Ça, c'est de poudre. Oignon. Oignon. Ok. Mais. Oh, tu peux mettre. Ah oui, dedans. Ok. Okay. Ok. Mais parfois, oui. La cuisine de la Louisiane ou de l'Amérique du Sud. C'est vraiment similar. D'accord. Similaire. Similaire, semblable. C'est vraiment semblable. D'accord. À la cuisine des Américains noirs. Mais jambalaya, c'est vraiment de la Louisiane. Bien. Oui, c'est pour tout le monde. Blanc comme blanc noir. Blanc ou noir, oui, c'est ça. OK. Et finalement... OK. Arrête-toi. D'accord. Oui. Cayenne. Pour épicer encore plus. Oui. Exactement. Oh, attends. Laisse-moi. Ah oui. Ok. Et poupou. Oh. Ça va déjà? Non, ça va aller. Tu vois? C'est trop, c'est ça? Ah, c'est bon, bon? Oui. Parce qu'on va ajouter la hot sauce. Ok. Hey. Tu connais la hot sauce? Ben non. Non? Non. Ok. On utilise la hot sauce pour finir un plat. Le plat. Après, c'est cuit. Après, c'est cuit. Oui. Et quand c'est dans une assiette, okay. Et tu vas manger. Quand on présente déjà. Ça, c'est quand normalement, quand tu ajoutes ou après tu finis à cuire. D'accord. Mais la mélange des épices. D'accord. On utilise pendant okay. La. Hot sauce, c'est du piment? Ah, c'est vraiment piment. Fort. C'est fort, fort. D'accord. Oui. Mais est-ce que tu as goûté déjà au piment africain, béninois? Non. Ah, ben je vais te faire découvrir. Je vais te faire goûter tout à l'heure. OK. Et tu vas me dire, entre ça et nos piments, lequel est fort? OK. Et finalement, un peu de sel. Oui, et de poivre gris. OK. Et bon. Et... Moi, je te laisse faire tout d'abord. Parce que pour faire mon plat, je ne vais pas sauter des étapes. Ah oui, j'ai devancé, bon. J'ai pré-cuit, tu vois, mon haricot. Ah oui! J'ai cuit à l'avance comme ça, mais beaucoup de temps, 2 heures, 3 heures de temps à cuire, c'est long. Oui. Donc, j'ai fait ça d'abord dans de l'eau et du sel, simplement. OK. D'accord? Donc, pendant que tu fais ça, je te laisse avancer.
Félicitations, Valérie. Merci, et toi aussi. Okay. Je suis prête, goûter. Tu gardes le nom, Djongoli. 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 Ok. Okay. À base de haricots rouges. Mm-hmm. Et moi aussi, c'est une découverte pour moi aujourd'hui, le jambalaya. Ah oui? Je sais que je peux reprendre ça. Ah oui, bien je sûr. Peux. Ok. C'est un plat très rustique. Ok. C'est pour le pop. C'est ça. Bon. C'est pareil. très goûteux. Ce sont des poissons fumés. Dedans. Alors, c'est vraiment intéressant. C'est le nom, c'est bon. Djongoli aux fruits de mer. Mmh. Parce qu'il y a des petits poissons, il y a les crevettes. Mmh. C'est pareil chez toi. C'est très bon. Mmh. Un honneur pour moi, un plaisir. Jamais je n'aurais imaginé cuisiner avec un chef américain, américaine, et plus du même prénom que moi, Valérie. Ah oui, à la prochaine. Merci beaucoup. Bye bye.